Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Erik Ten Hag au Barça. C'est parti. Alors aujourd'hui, Barça cherche un entraîneur pour remplacer Ronald Koeman, parce que Koeman a fait un match catastrophique hier en faisant un match nul à Grenade, même si Barça s'en est un petit peu bien tiré parce que le match était en faveur de Grenade. Ils ont marqué à la deuxième minute, après Araujo est venu sauver le Barça à la 89e minute. Fabrizio Romano révèle que le Barça est tout proche de signer Erik Ten Hag. Barça tient son entraîneur, voilà. Erik Ten Hag c'est un excellent entraîneur parce qu'il joue un jeu correspondant à celui du Barça, un jeu de tiki-taka incroyable. C'est un excellent entraîneur. Pour moi, le Barça tient un excellent entraîneur parce que Fabrizio Romano, il en a parlé, ça veut dire que c'est vraiment fait, parce que Barça a voulu sonder Xavi. Xavi, pour moi, c'était pas une bonne idée parce que Xavi il n'a pas encore prouvé en étant entraîneur, désolé du terme, parce que pour moi il n'a pas encore prouvé avec Al Sadd, parce que Al Sadd n'a pas encore joué le mondial des clubs, je pense. Ouais, pour moi Erik Ten Hag c'est le meilleur choix à faire, parce que il y avait Pirlo, je déteste Pirlo, j'aime pas Pirlo au Barça. Pirlo il a fait un échec total à la Juventus, il s'est fait virer par la suite, voilà. Il va pas s'imposer au Barça. Pour moi Pirlo c'était un mauvais choix, Erik Ten Hag c'est le meilleur choix à faire. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo Mercato. N'hésitez pas à acheter ton petit pouce bleu, s'il te plaît, surtout t'abonner à la chaîne, activant la petite cloche de notification. Je te dis à la prochaine vidéo, salut.